Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Alice dit « On arriverait généralement à un autre endroit si on courait très vite pendant longtemps, comme nous venons de le faire. » Et la reine répondit « Ici, vois-tu, on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester au même endroit. Si on veut aller ailleurs, il faut courir au moins deux fois plus vite que ça. » Vous connaissez certainement cette réplique populaire. Il s'agit du célèbre épisode du livre de Lewis Carroll, De l'autre côté du miroir, le deuxième volet d'Alice au pays des merveilles. Mais cette réplique est également la métaphore d'une hypothèse. Celle de Leighton Van Vallen, biologiste américain, né en 1935 et décédé en 2010. Spécialiste de la biologie évolutive, qui vise à comprendre les scénarios et les mécanismes de l'évolution des espèces, il met au point la théorie de la reine rouge. Comme dans l'extrait du célèbre ouvrage, le biologiste constate que l'évolution permanente d'une espèce est nécessaire pour maintenir son aptitude suite aux évolutions des espèces avec lesquelles elle coévolue. Une course constante est engagée avec notre environnement qui lui aussi évolue de la même manière. Cette coévolution nécessite donc une augmentation des capacités de survie face à d'autres qui évoluent également dans un même but. La théorie privilégie les facteurs biotiques, c'est-à-dire les interactions du vivant dans cette course pour la survie. Pour mieux comprendre, penchons-nous sur les études de William Hamilton et John Tooby qui ont indépendamment travaillé sur les parasites et les symbiotes. Pour rappel, les parasites tirent profit d'un organisme hôte de manière unilatérale, cette relation est toujours négative pour l'hôte, et les symbiotes sont les associations qui se créent de manière durable entre deux organismes. Tout d'abord, remettons l'échelle du temps sur l'hôte et le parasite. Pour l'homme, nous savons que sa capacité d'évolution passe par sa reproduction, qui est renouvelée tous les 25 ans, nous parlons de génération. Par contre, le renouvellement des microbes est de l'ordre de toutes les 20 minutes, soit un demi-million de générations supplémentaires qui lui permet de s'adapter très rapidement à son hôte. Car tout réside dans cette coévolution. Si les parasites évoluent très rapidement, la réponse humaine doit également évoluer rapidement. Prenons le cas actuel du coronavirus, l'adaptation évolutive de l'homme face au virus nécessite confinement et vaccin, car notre capacité évolutive est très faible face à sa propagation très rapide d'hôte en hôte. Cette course permanente à l'adaptation et à la survie est aussi surnommée paradoxe de l'évolution, car elle engendre une compétition permanente créant et détruisant la vie, un enchaînement d'apparition et d'extinction pour simplement conserver la vie, quelle qu'elle soit, comme but ultime. Aux facteurs biotiques peuvent être ajoutés des facteurs abiotiques, c'est-à-dire non vivants, mais qui exercent un rôle dans la coévolution qu'ils imposent sur l'évolution générale, comme par exemple le réchauffement avec la modification des facteurs climatiques, chimiques et topographiques. Sur ce sujet, n'hésitez pas à consulter la page YouTube de Monsieur Green et retrouver l'interview de Vincent Mignereau, chercheur indépendant qui dans ses travaux nous montre les différents liens coévolutifs qui nous permettent de prévoir l'avenir et de s'y préparer. Dans ce combat que mènent les espèces pour leur survie, vie et mort se succèdent de manière perpétuelle, mais n'est-ce pas cela finalement la partition du vivant? Pour cela, j'aimerais introduire Edgar Morin, sociologue et philosophe français qui interprète à sa manière cette même loi de l'évolution et de coévolution par le biais d'une métaphore d'Eros et de Thanatos, respectivement le dieu de l'amour et de la puissance créatrice, et le dieu de la mort de la mythologie grecque. Tout d'abord, selon le philosophe, pour comprendre le monde,
il faut associer les principes antagonistes d'ordre et de désordre en y adjoignant celui d'organisation. Nous pourrions y voir respectivement la vie, la mort, le temps imparti entre les deux. Edgar Morin le traduit comme une pensée complexe avec une prise en compte de l'ensemble des interactions du vivant et du non-vivant pour mieux comprendre l'évolution. Par ce biais, il incite toutes les sciences à travailler ensemble et à jouer la carte de l'interdisciplinarité. Car aujourd'hui, il ne sert à rien de chercher simplement l'origine du coronavirus, sa capacité de propagation et son taux de mortalité par exemple. Nous savons que de multiples facteurs coévolutifs ont permis l'arrivée et la propagation de la maladie, et ces principes mêmes sont issus d'Eros et de Thanatos. Edgar Morin nous dit « L'histoire humaine a toujours été faite de ce conflit entre organisation et destruction. C'est un combat permanent entre Eros et Thanatos, l'humanisme régénéré, c'est la conscience de faire partie d'une aventure prodigieuse et de prendre le parti d'Eros contre Thanatos. » L'univers se nourrit de deux forces, la création, ici représentée par Eros, et le chaos, représenté par Thanatos. Cela signifie que l'évolution est soumise aux mêmes forces à chaque strate du vivant. Aussi, pour Edgar Morin, aller dans le bon sens de l'histoire signifierait qu'il vaut mieux prendre le parti de la création et de l'ordre pour arriver à un humanisme régénéré, mais finalement sans jamais nier Thanatos, c'est-à-dire le désordre, la mort, qui est une partie constituante de nos vies. Nous pouvons même faire l'analogie de cette théorie avec de nombreuses autres religions ou bien encore autres croyances, comme le bien et le mal, ou le yin et le yang. Ce qu'il faut retenir de la Reine Rouge et de la pensée complexe d'Edgar Morin, c'est que notre biologie nous demande de nous adapter en permanence à notre environnement, que celui-ci se modifie et nous demande en retour de nouveau une acclimatation pour survivre. Cette évolution est soumise à deux forces, une créatrice, la naissance, et l'autre destructrice, la mort. Bien évidemment, je n'ai survolé que très brièvement ces deux théories de manière subjective, et vous invite à en découvrir davantage bien sûr. Nous sommes tous pris dans la course de l'évolution. Le combat pour la survie est permanent, cependant, notre capacité à comprendre le monde de manière complexe, avec toutes les interactions du vivant et du non-vivant, fonctionnant autour du principe même de vie et de mort, devrait nous permettre d'avoir une meilleure anticipation sur ce qui nous attend, mais également sur nos actes. Notre capacité de réflexion devrait nous permettre de mieux appréhender notre futur et les choix que nous faisons. Si seulement nous pouvions retirer les œillères individuelles que nous avons sur les yeux, qui nous guident généralement vers Thanatos en période de crise, plutôt qu'Eros et l'humanisme nécessaire pour une sortie de crise en paix. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green ? Oui ! Green, comment ? Oh, super Green ! Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des babotines. Green, tu vois ? Mais alors, tu vois le Green absolu. Green, plus Green.